Dans l'actualité également, cette affaire qui fait beaucoup réagir. Un collégien soupçonné de harcèlement a été arrêté en plein cours. Les policiers sont entrés dans l'établissement, dans sa classe. La méthode choque, fallait-il aller jusque-là. Sur place, ce matin, à Alfortville, en région parisienne, Gwenaël Bellec, Claire Auberger et Antoine Pocry. Devant le collège, où a eu lieu l'interpellation d'un adolescent hier, certains élèves ont été les témoins directs de la scène. D'autres ont vu les policiers par la fenêtre, disent-ils. C'est choquant quand les policiers ils viennent, ils les menottent dans la classe. C'est un peu choquant quand même. Pour les élèves, ça peut être traumatisant et tout. Les policiers, ils l'auraient pris à la sortie des cours parce que dans le collège, c'est quand même... c'est pas très bien. Enfin, pour les élèves et tout, c'est choquant. Mais quelles sont les règles en cas d'interpellation dans un établissement scolaire? En général, tout se passe dans la discrétion, voici comment. On va chercher l'élève, c'est la direction d'établissement ou un conseiller principal d'éducation qui va chercher l'élève dans la classe, on l'isole et la police vient le chercher, mais en toute discrétion. Et c'est pas un spectacle public que d'arrêter un élève. Pourquoi alors 3 policiers sont-ils intervenus dans la classe et fallait-il utiliser les menottes? D'après le parquet joint ce matin, les policiers ont jugé qu'il y avait un risque de fuite. L'adolescent aurait regardé en direction de la porte. Il y avait aussi un caractère d'urgence face à des menaces de mort et la nécessité de préserver des indices sur le téléphone de l'adolescent. C'est allé jusqu'en haut de la chaîne hiérarchique du service, du commissariat de police d'Alfortville. Le parquet en a été informé, le chef d'établissement également, et décision a été prise d'interpeller l'individu parce que justement il y avait urgence pour mettre fin à ce harcèlement. D'après le collège, l'adolescent remis en liberté après son audition hier restera chez lui jusqu'en début de semaine prochaine au moins. Le collège évoque un conseil de discipline. Côté judiciaire, il devra effectuer ce que l'on appelle une mesure éducative au profit de la collectivité.